Eh bien salut les amis, c'est Kermando et on se retrouve aujourd'hui pour la suite de Mario Luigi Voyage au centre de Bowser et je suis un peu perdu, je dois bien vous l'avouer, parce que je me souviens plus exactement ce qu'on avait fait et ce qu'on n'avait pas fait. Il me semble que là, il faut que j'y retourne, parce qu'en fait j'étais allé dans la salle du bas, mais là j'étais pas allé dans la salle là à droite. Et je pense que c'est parce que je pouvais pas ouvrir le passage, mais maintenant que j'ai le pouvoir, peut-être que je vais pouvoir. Allez, ça fait une répétition, mais je sais pas comment le dire autrement. Mais je suis pas tout à fait sûr, hein. On va essayer, on va voir, mais ouais, je vous avoue que je suis un petit peu perdu. Bref, les amis, n'oubliez pas de laisser plein de pouces bleus et c'est parti, on va peut-être enfin finir de cette zone. C'est ouf, enfin ça me dérange pas du tout, hein. Ça me dérange pas du tout, je kiffe jouer avec Mario Luigi, je kiffe jouer à ce jeu. Mais ce qu'il y a, c'est qu'en fait, effectivement, jusqu'à maintenant, c'était assez, comment dire... on passait pas beaucoup de temps avec les frères Mario et Luigi en fait. On jouait rarement avec eux. Et là depuis quelques temps quand même, enfin depuis 3 épisodes bientôt en fait, on joue énormément avec eux. Enfin même depuis qu'ils ont réussi pour la première fois à sortir du ventre de Bowser, on joue énormément avec eux. Ce qui est pas mal du tout, hein. Oh. ne prenez pas ça pour un reproche. Je veux juste dire que... Ah il y a aussi des fèves ici. Tiens, j'avais pas vu. Ah ouais, j'avais pas vu du tout. Ah, je croyais qu'il y en avait qu'à l'extérieur des fèves. Ah bah je risque d'en louper pas mal parce que moi je vois plus très bien. Donc il y en a vu une à droite, hein, ça je l'ai vu. Bon, alors, on va gagner un petit peu d'XP. Je sais pas où on en est de l'augmentation de niveau, mais oh, c'est pas grave. Attendez, regardez, on va faire ça. On augmente de 20% pendant 3 tours. Et donc comme ça, on va utiliser en plus les tonneaux, quoi. Les barils cloneurs. Voilà, comme ça, on va faire mal à cette plante piranha navale, là. Enfin, je sais plus comment elle s'appelle, mais elle m'énerve. Elle m'énerve, elle est trop forte. Ok, faut pas que je me trompe. Parfait! 137 points de dégâts! Et ça l'a même pas tué, hein. Je tiens quand même à le préciser, hein. Elle a trop de vie, elle m'énerve! Ah! Dû lui rester genre 10 PV, un truc comme ça, non mais... vous parlez d'une arnaque. Bon. On peut aller là-dedans? Non, d'accord. Eh mais attendez, moi je veux aller là. Je peux les éviter? Ouh! What? Que vient-il de se passer? Pourquoi elle est devenue invisible? Elle a bugué ou quoi? C'est normal qu'elle soit devenue invisible comme ça? Bon, je pense que Luigi va augmenter de niveau, mais peut-être pas Mario. Ah, Mario? Bah ouais, si, Mario, il avait plus d'XP, enfin, il avait de l'XP de l'avance. Enfin, de l'XP d'avance, mais je sais pas pourquoi, alors j'ai cru que Luigi allait augmenter avant. Bref, Mario, les points moustaches. Non, même pas, d'accord. La vitesse. Non, l'attaque? Ouais, l'attaque, il veut pas trop, Mario, hein. Il pense qu'il en a bien assez. Bah, la défense. Ok, 4, parfait. Ouf, donc Mario a déjà dépassé 100 de stats dans un truc. Je sais pas si Luigi a déjà dépassé 100 quelque part, on verra ça plus tard. Ah bah voilà, très bien. Maintenant comme ça on peut avoir un autre morceau. Non, je pense que dans cette vidéo on va enfin réussir à terminer cette zone et on va certainement enfin combattre le boss. Faut pas aller trop vite là, hein, parce que si tu continues à aller vers la droite, et bah... Ah oui non, ok d'accord. C'est vrai que tu peux... Enfin, si tu continues à aller trop vite vers la droite, tu peux tomber avant d'avoir eu le bloc. Et ça, c'est quand même un petit peu bête. Hein. Allez, Luigi, Mario. Ah, j'aurais préféré un bloc d'attaque, mais ça va aussi. C'est pas si nul. C'est pas si nul, il faut le dire. Bon, non, non. Ah, on la connaît, cette cinématique. Hein. C'est bon, ça fait 3 milliards de fois qu'on l'a fait. Est-ce que j'ai besoin de le prendre, ce truc incomplet? Je sais même pas. Ah, si. Apparemment, ce serait utile quelque part, l'étoile en trident. On verra bien, on verra bien. Alors là, on peut pas y aller pour l'instant. Ouais, je sais comment on fait. Hein. Oula, là, il y a beaucoup d'ennemis. Mais attendez, c'est vrai que je peux les éviter. Ah mince. Ok, génial. Voilà, là, c'est bon. Luigi au monde de niveau et... Voyons voir ses stats. Non, il a encore dépassé 100 dans... Ah si, ok, il a dépassé 100 en PV. Donc Luigi. La vitesse, peut-être. C'est pas ce qu'il y a de plus suggéré. Les PV... Ouais, il aimerait bien que j'augmente un peu ses PV. Donc c'est bon, 109 points de PV. Peut-être les PF aussi. Il faudra avoir les PF prochainement aussi. Parce que Luigi, il en manque beaucoup. Il en manque pas mal. Donc là, normalement... C'est pas ça que je voulais faire. Voilà.
Mais là, normalement, on peut les éviter maintenant, les ennemis. Plus facilement, en tout cas. Bon, c'est pas grave, moi, je m'en suis quand même bien sorti. Mais attendez, mais j'ai oublié la fève dans l'autre zone. Mais ouais, j'ai oublié la fève, je crois. J'en avais vu une et je crois que je l'ai oubliée. Bah, tant pis. C'est bon, c'est fait, je l'ai oublié. What? Qu'est-ce que c'est que cette zone? Attendez, Bowser, retire-toi, parce qu'il y a peut-être un truc, je sais pas. Non, il n'y a rien de caché. C'est bizarre, cet endroit. C'est super bizarre, c'est une référence à quelque chose. Ok, fallait peut-être aller là, effectivement, d'accord. Je crois que je me suis fait avoir. Donc c'est peut-être une référence à rien du tout, c'était probablement juste un espèce de truc secret, enfin une espèce d'énigme. Donc on... Ah! Ah mais attendez, mais c'est même pas en temps limité! Ah mais j'imagine qu'il faut toutes les ramasser. Si tu les ramasses pas toutes, quand t'arrives en haut, elles doivent peut-être apparaître, j'en sais rien. Ok... Super. Bon bah génial, ok, je les aurais eu tout eu. Donc il nous en reste plus qu'une avant d'avoir la nouvelle attaque. Je sais pas ce que c'est cette nouvelle attaque, on verra bien. Alors... Ouais mais si je saute de deux de haut. Voilà, ok. C'est ça en fait, l'énigme c'est qu'à chaque fois que tu sautes de deux. Et donc bah faut pas trop sauter hein. Sinon le problème c'est que tu te retrouves bloqué. Bon, il va y avoir un truc à gauche, comment on va y aller? Peut-être avec Bowser? Peut-être qu'il pourra faire apparaître une plateforme, je sais pas. On verra bien. Ah ben non, mais quand on va prendre le tuyau, on va pouvoir monter... Ok, non, y a pas de problème en fait. Allez Luigi. On peut rentrer dedans, même si je suis petit? Oui, on peut, d'accord, très bien. Ah non, il faut d'abord que Bowser fasse son machin. Ah ben non, mais c'est vrai que les plateformes, elles sont quand même déjà là. Mais oui, mais je vois pas trop où elles sont, donc... Voilà, c'est mieux comme ça. Allez. Je pense que j'aurais pu le faire le saut, hein, tranquille. Alors, ça serait pas une pièce d'attaque tout ça? Attendez, mais j'ai pas fait gaffe. Je crois que c'est ça. Après, c'est Luigi Mario. Ok. Y avait pas un Mario de plus. Et bah voilà! On a une nouvelle attaque, frère. Qu'est-ce que c'est? What? Balle roulante? Vous pouvez maintenant utiliser l'attaque balle roulante. Là, je veux bien une petite démonstration, je m'en souviens plus. Incliner le stick vers la gauche et vers la droite pour maintenir Luigi en équilibre sur la balle que Mario lance en l'air, puis écraser les monstres. Appuyez sur B au moment où vous atterrissez sur les monstres pour que la balle rebondisse vers Mario et lancez-la à nouveau avec A. What? Pour finir, Luigi effectue un double coup de balle. Mon dieu, mais c'est... Ça a l'air d'être extrêmement compliqué, ça, qu'est-ce qui se passe? Attendez, on va les voir jouer normalement. Quelle est cette histoire d'équilibre? Ah, d'accord, ok. Mais ça a l'air d'être super chaud, non? D'accord, ok, bon. On va essayer, mais ça a l'air d'être super chaud. Donc, A. Là, c'est A. Ah d'accord, ok. Bon, c'était du génie de ma part. J'ai appuyé trop tard en fait. Et... Ah, what? Mais j'ai appuyé sur... Ah, quel moment? Faut que j'anticipe de ouf, c'est ça? Vas-y. Ok, très bien. Alors là, on essaye de rester... Mais c'est hyper dur de tout gérer. D'accord. Non mais c'est super chaud. Alors cette attaque, je sais pas si je la ferai souvent parce que c'est vraiment super chaud. Après ça dépend combien elle coûte, mais non, elle est pas facile. Elle est pas facile du tout. Je m'avoue vaincu là. Bon, ah, d'accord. Après faut savoir que dans Mario Luigi, on n'est pas obligé de savoir contrôler chacune des attaques spéciales. Hein. Genre moi dans certains Mario Luigi, il y a des attaques spéciales dont je me sers jamais, même si elles sont parfois fortes, juste parce que j'y arrive pas. Et c'est pas grave, hein, on peut apprendre à utiliser des moins fortes, hein, y a pas de souci. Alors, ça c'est fait. Je vais peut-être pas la ramasser celle-là, je vais garder celle que j'ai. Ok, parfait. Et donc il ne nous reste plus qu'un morceau à aller chercher. Socket plénitude. Ça doit peut-être faire recharger notre barre là de badge plus rapidement. Ça m'étonnerait pas que ce soit un truc du genre. Allez, ça j'en veux pas, ça ressemble à rien. C'est une étoile de mer avec une de ses pattes arrachées. ouais,
Voilà, fallait les relier. Et donc maintenant, il nous reste plus qu'à aller ici. Bon, on va enfin s'en sortir de cette zone. Allez, B. Est-ce qu'il y a un autre pouvoir frère qu'on peut avoir sur la map comme ça? Je sais plus. Il y a moyen là? Non, il n'y a pas moyen, c'est trop. Non, what? Pourquoi je pouvais pas aller dans le sol? Pourquoi on peut pas aller dans le sol là? C'est trop bizarre. Donc, je peux même pas éviter les ennemis. Mais ça c'est beaucoup trop haut. Attendez, si Bowser s'en va, on peut... Il y a un truc qui bouge ou pas? Ah, il y a les blocs boue, d'accord, ok. Attendez, je vais prendre Bowser. Et on va attendre que les blocs boue bougent. Pourquoi ils bougent pas là? What? Quoi? Mais attendez, mais c'est bizarre cette histoire. Bon, d'accord, j'en sais rien. De toute façon, lui, on va certainement être obligé de se le faire. Et ouais. Peut-être qu'on peut pas aller dans le sol juste parce que le sol, bah, il est trop bas, là. Ouais, je sais pas, c'est bizarre. Ah, très bien. Parce qu'on m'a dit que je vais en avoir besoin des pièces. Hein. À part... What? Qu'est-ce que c'est que ces chiffres? Hein? En plus, ça fait jamais les mêmes chiffres. Hein? Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Attendez, est-ce que ça a un rapport avec Bowser? D'accord. Donc, 2, 3... Bien sûr, je peux pas les activer quand je suis comme ça, d'accord? Donc, ça fait 1, 2, 3... 4, 5, 6. D'accord. Vas-y, Bowser, retire-toi. Allez. 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Je comprenais absolument pas ce qui se passait. C'était trop bizarre. Ah, elle bouge. Ok. Merci pour l'ultra cacahuète. Et donc, comment on va faire pour y aller? Comme ça? Oui, t'en vas pas. Hein. Ouais. Très bien. Bah, d'accord, mais pourquoi des fois j'arrive pas à faire mon pouvoir? Genre ça met une espèce de petite croix et tu peux pas le faire. Alors que ça n'a pas de sens. Ah! J'ai toujours le trident. Ah, j'ai bien fait de l'avoir gardé le trident. En effet, on en avait besoin. Attendez, il va peut-être y avoir un boss là-dedans, non? C'est une salle secrète peut-être? C'est peut-être juste une salle secrète. Je me disais bien que le trident en avait besoin. Hein. Ouais, ça a l'air d'être juste une petite salle secrète. Tranquille, fève viril, fève spéciale et fève cœur. Et des chaussures spéciales. Faudra que j'aille faire un tour quand même dans mon inventaire juste avant d'aller battre le boss. Si j'y pense, hein, parce que des fois je dis ça et en fait j'y pense absolument pas. Parce que là ça va y être bientôt le boss vu qu'on va avoir tout activé. Bah ouais, on va pouvoir enfin rentrer. Enfin si tant est qu'il y a un boss, mais ça m'étonnerait qu'il n'y en ait pas, hein, franchement. Je suis un génie. Bon bah j'y suis retourné, parce que il va y avoir un blog, donc au moins comme ça sera fait. Enfin quoi que ça m'étonnerait que j'ai eu tous les blocs de la zone, hein, mais bon, on sait jamais, hein, ça se trouve c'est le dernier bloc qui va me manquer. Et ok, super sirop, en plus c'est pas incroyable, hein, c'est pas incroyable comme objet. Hein. C'est bien, je vais pas m'en plaindre, mais bon, il y avait quand même moyen d'avoir tellement de choses mieux. Genre un objet d'équipement, et plaque étoilée complète. Elle devrait vous être utile quelque part. Ah bon? Où ça, tiens? Je me demande. Quelle question. Alors, c'est ici. Mais ce que je voulais faire avant, c'est faire un tour dans notre inventaire. Chaussures brûlantes, c'était pas mal ça aussi. Hein. Enfin, attendez, attendez. Chaussures champi qui remplacent parfois les pièces reçues après un combat en champignon, on s'en moque. Des chaussures qui augmentent la puissance de l'attaque frère carapace verte, on s'en moque. Des chaussures qui augmentent légèrement la puissance des attaques frères. Ça peut être pas mal, non? Ouais, mais ça baisse la vitesse de tout le monde. Ouais, non, 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 non. En fait, j'ai pas beaucoup de trucs qui augmentent vraiment mes stats, hein. Non, non, garde automatique, c'est hors de question. Non, bah non, j'ai pas de super objet d'équipement, hein. C'est ça qui me choque un peu. D'habitude, dans les Mario Luigi, j'ai l'impression que rapidement, tu récupères des objets ultra puissants. Là, j'ai des objets
qui n'ont pas des effets secondaires incroyables et qui en plus what? Et qui en plus de ça me donne pas des stats ouf. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai l'impression que le jeu avait crashé là. Il se passait plus rien. Ah, la chenille! Elle est là. Enfin, la chenille, ouais, si, c'est une chenille, effectivement. Enfin, je pense. Ok, salut. Super sirop x2. Non, Bowser, ouais, ouvre la route là. Très bien. J'avais peur que l'autre nous rattrape. Salut! On va pas se recombattre contre elle quand même. On n'a pas eu trop de mal quand elle était grosse, alors maintenant qu'elle est petite, ça va être assez facile quand même de l'écraser, hein. Hop. Il se cache, c'est ça? Il joue à 1, 2, 3 soleil. Ouh. Oh. Comment ça? Elle vient de mordre les fesses de Luigi, et Luigi, il kiffe ça? Non, par contre, elle l'a pas kiffé, hein. J'aurais craché, je sais pas ce qu'elle faisait, mais... Oh. Allez, Luigi! Bravo! Ouh. Elle va emmener Luigi avec lui? Non? Mais Mario, aide-le, qu'est-ce que tu fais? Elle est où? Ah, elle peut creuser dans les organes de Bowser, elle. Non mais... Ils vont faire ça à l'infini, c'est ça? Ah bah maintenant, elle est bloquée. Mais sautez-lui dessus, toutes les deux. Mais sautez-lui dessus à deux, qu'est-ce que vous faites? Luigi! Oui, parce que là, quand même, Luigi essaye de se rendre utile et Mario, pendant ce temps, lui, il regarde, il fait rien, genre... Très intéressant. Non, il faut que tu l'aides. Qu'est-ce qui se passe? Mais attendez, mais elle est accrochée à tes fesses! Luigi trouve ça agréable. Par contre, elle aime pas du tout, à chaque fois, elle crache. En même temps, Mario et Luigi, ça fait quand même beaucoup d'heures qu'ils sont partis à l'aventure, qu'ils se sont pas changés de salopette. Donc c'est vrai que ça doit être un petit peu cracra, hein. J'imagine que ça doit être plein de sueur, plein d'odeur, plein de... D'accord, on va essayer de pas imaginer l'odeur des vêtements de Luigi, mais... Et pas que de Luigi, hein, les fans de Luigi, pensez pas que je m'en prends qu'à Luigi, hein. Les vêtements de Mario aussi doivent sortir aussi mauvais, hein. Et ce Peach aussi, tiens, dans chaque jeu, elle se retrouve enlevée, je suis pas sûr qu'ils prennent des vêtements de rechange, sauf dans Paper Mario, mais les autres, ouais, la pauvre Peach, hein. La plante piranha ne sort pas quand on est juste à côté, d'accord. C'est comme dans les Mario Bros. Très bien. On peut rentrer dans l'un des trucs? Ah ouais, d'accord. Ok. C'est quoi ce délire? C'était juste ça. Bah écoutez, très bien. On va essayer de rentrer dans tous les tuyaux. Pour trouver le truc secret. Qu'est-ce que tu fais toi? Non. Ah ouais, bon, d'accord. Si tu vises comme ça, c'est un petit peu nul, ma jolie. Bah pourquoi je... Attendez, c'est lequel dans lequel on peut rentrer alors? Voilà, c'est lui. Parfait. Et on a... Oh, plein de pièces. En plus, c'est des pièces 50, c'est énorme. Écusson vengeance. Ah, quoique écusson vengeance, ça ferait pas des dégâts aux ennemis quand ils nous font des dégâts, un truc du genre? Si c'est ça, ça peut être pas mal. Voyons voir. Écusson vengeance. Un écusson empreint de vengeance, il augmente toutes vos caractéristiques lorsque votre frère est évanoui. Non. Enfin, si. Dans certains moments, ça peut extrêmement nous sauver. Mais non, j'en veux pas. Parce que ça arrive pas assez souvent en fait que j'ai l'un de mes frères qui meurt. Mais effectivement, hein, le fait d'avoir des stats en plus au moment où... D'accord. Enfin, au moment où l'un de tes frères meurt, ça peut être très utile. Qu'est-ce que... Non. Ah, bon, la raison pour laquelle je suis redescendu quand même, parce que ça vous paraît peut-être bizarre, c'est parce que je voulais aller là. Je me dis qu'il y a peut-être un truc là, non? Oh là là, je sais même pas si on peut y aller en fait. Mais non! Bon, attendez, on va activer Bowser. Comme ça, on verra peut-être mieux la plateforme. D'accord, c'est ce que je me doutais. Enfin, c'est ce dont je me doutais. Je pense qu'il y a moyen qu'il y ait un truc là. Non, mais c'est une blague. Je pense qu'il y a un truc là-dedans, non? Oh, c'est impossible, j'y arrive pas. Mais je me disais que ce bloc-là, il devait... Enfin, ce tuyau-là, il devait peut-être mener à quelque chose, quand même. Enfin, quoi que c'est pas affiché sur l'écran du bas, donc peut-être même pas, en fait. Hein. Ok, ça, c'est trop cool. Oui, très bien. C'était quoi? C'était 100 pièces? C'est cool aussi. Là, il y a un truc en bas. Hein. Comment on fait pour y aller? Comme ça? Comment on fait pour y aller? Bah... What? Parce que j'étais arrivé sur le bloc, mais je pouvais pas l'activer.
Ah! Je peux pas redescendre là? Bah non, 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 non! Bah non, non, en fait, non, 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 je vois pas du tout. Non, je vois pas comment on peut faire. Bon, bah tant pis. On va pas essayer d'aller chercher ce bloc parce que j'ai absolument aucune idée de comment on fait. C'est très bizarre. Peut-être qu'il y a un truc qui apparaît si on retire le pouvoir de Bowser? Ouais, non, je vois même pas ce qui pourrait se passer. Bon, tant pis. Ah, il y a un truc là. Comment on fait pour y aller aussi? Il n'y a pas de plateforme. Je ne sais pas. C'est bizarre. Ah oui! Encore. Mais c'est pas grave, c'est mieux comme ça. Parce que de toute façon, Mario et Luigi, on peut deviner où ils sont. Alors que les plateformes, on peut difficilement deviner où elles sont quand même. Ok. Non, j'aurais dû passer sous le sol. Ah mince. Enfin, je me dis ça, mais j'aurais peut-être pas pu aller sous le sol en fait. Comme c'est un sol tout fin, on peut peut-être pas rentrer dedans. Enfin bref, continuons notre aventure. Mais y a rien en fait par ici. Il y avait un truc là-bas, hein. Un bloc? Ah bah oui, d'accord, super cacahuète. Non, c'est gentil, c'est gentil. C'est vrai qu'on les voit plus les blocs quand on est comme ça. Là, on peut pas descendre. Non, ce sera une zone où on arrivera peut-être dans l'autre sens. Cette zone est vraiment gigantesque, c'est incroyable. Bah, cet épisode sera sûrement long, mais j'ai envie quand même qu'on en sorte aujourd'hui quand même. Parce qu'on y a passé longtemps. Hein. Continuons. Ouais, en bas à droite, ça doit être la fin. Par contre, il y a vraiment pas beaucoup d'endroits qui nous redonnent des vies et tout ça. Hein. C'est assez chaud dans ce Mario Luigi. Il n'y a pas beaucoup de points de sauvegarde, il n'y a pas beaucoup d'endroits où on peut regagner des vies. Alors, en même temps, bon, le jeu est quand même assez facile comme ça, mais... J'avoue qu'on n'est pas trop habitué à ça, surtout quand on a joué au dernier Mario Luigi en fait. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ok, un champignon Up DX. Ça, c'est très très bien, ça fait partie des meilleurs objets du jeu. Oh, j'en ai marre des combats! Là, dans cette vidéo, j'en ai fait beaucoup trop! Surtout que j'ai l'impression de pas gagner grand-chose, hein. Et qu'il va certainement y avoir un gros combat d'ici peu de temps. Je pense que ça doit être dans la prochaine salle, non? Ce serait bien. Ah, dans la prochaine! On y est bientôt, qu'est-ce que c'est que ça? Bon les amis, mauvaise nouvelle, le combat contre le boss est vraiment long, genre je suis à plus d'une heure de tournage, donc on va couper l'épisode ici. Je pensais faire le boss dans cette vidéo, mais non, non, ça serait beaucoup trop long. Donc bref, bah on se retrouve très bientôt en tout cas pour la suite. J'espère que cet épisode vous aura plu, n'oubliez pas de laisser plein de pouces bleus, de commenter, de vous abonner, et à la prochaine les amis, salut!